Saute, Billy. Tu t'amuses bien là-dedans. L'ennemi se rapproche. Abattez-le. Ça va mal finir. Dégâts subis. Anomalie visuelle détectée. Le Jedi immobile. Les ennemis sont en cours. Cible touchée. Sans intérêt. Il est inutile de résister. Marquage de l'ennemi. Humain sans intérêt. Intégrité compromise. Capture de l'adversaire. Blessure infligée. BD, t'as un truc pour m'aider ? J'ai besoin d'aide, BD. Les canaux impériaux. Ils envoient toutes leurs ressources vers toi. Vous êtes en sécurité? On fait profil bas, mais la tempête se dissipe. On aura bientôt plus de couverture. Et si vous masquez le signal du Mantis? Ça ne fonctionnera pas si tu y attends. Je crois que j'ai une meilleure idée. Serré. Je me souviens des merveilles de ces grottes. Quand j'avais hâte d'achever ma formation et de devenir un... Position de l'ennemi identifiée. Ok. Attention à la cible. Je m'occupe de lui. Dégâts subis. Neutralisation du Jedi. Yes.
Méfie-toi de tes émotions, jeune homme. Mais maître, c'est trop facile. Juste ce qu'il me fallait. Il est là, juste là. Affirmatif. Suivez-le. Il est touché. Il massacre tout le monde. Allez, Jedi, viens te battre. Jedi est malin. Jedi! Alerte, ultime!
chances de survie sont infimes. Je brouille leur transmission, mais ils ne mettront pas longtemps à les rétablir. Ça devrait nous faire gagner du temps. Merci. Il y a des Stormtroopers partout. Illum était notre planète. Beaucoup mieux. Ils ont réussi à appeler des renforts. Tous les destroyers stellaires qui se trouvent dans le secteur vont rappliquer. S'ils arrivent ici avant toi. Non, pas question de se faire prendre maintenant. Je serai là. Ça valait vraiment le coup de grimper. Quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais presque aussi petit que toi. Mais j'étais pas aussi courageux. Hé, BD, là-dedans. Viens, BD, regardons ça.
as réussi. Grâce à vous. Je ne serais pas là sans votre aide. J'étais terré sur Braca, rêvant d'assaillir Coruscant avec les survivants du Conseil Jedi. Mais au final, l'espoir de l'Ordre repose sur un joueur, un Jedi déchu et un mauvais Padawan. Une belle bande de ratés. Ouais, ça c'est bien vrai. BD est le seul à être fiable. Il a laissé Cordova effacer sa mémoire pour pouvoir nous guider. Mais tous les deux, vous êtes prêts à tout sacrifier. Pour continuer, même quand ça paraît impossible. L'échec fait partie du voyage. Je le sais maintenant. Je vous remercie. Vous tous. Quand tu voudras partir, fais-moi signe, je serai ici. Tigraine, c'est assez, Grise ? Oh oui, c'est bon. Parfaitement convenable. Solidement moyen. Ça passe au poil, enfin presque. Ok, j'ai compris. Je vais voir si je peux en trouver d'autres. Hé, hey, y avait pas une épave gigantesque sur ces faux ? Y a peut-être un truc à en tirer. Akashic. Rien de tel que l'humidité. Ce Cordova est en train de sacrément user mon vaisseau. Il a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait ? On a visité de nombreuses planètes. Des tombeaux et des temples liés aux Zephos et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Il a toujours été seul, même quand j'étais avec lui. Il n'y avait que son travail et l'avenir qui lui importait vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Terminus, remonte ici. La nature, c'est vraiment dégoûtant. Je hais cette planète. J'essaie de tenir ce vaisseau propre, vous savez. Et vous, vous me traînez ici. C'est une horreur, ça pue le Wookiee mouillé. C'est réellement le plus gros de tes problèmes ? Au cas où t'aurais pas remarqué, il me reste plus grand-chose. Mais j'ai encore ma fierté. Et j'y tiens, moi, à ma fierté. C'est bien de tenir à quelque chose. Toutes ces bricoles que je fais quand je cuisine, quand je nettoie, c'est toujours ça d'accompli, tu comprends ? Je vois ça, oui. Je sais bien qu'on a eu des hauts et des bas, c'est vrai. J'ai pas toujours été irréprochable. Mais je préfère me concentrer sur les petites victoires. Tiens, par exemple, nous avons tous l'estomac plein. Oui, grâce à toi. Il en reste un peu. C'est l'histoire de ma vie, petit gars. Mais je suis toujours là et mon vaisseau aussi. Je peux déjà m'estimer heureux. C'est vrai. Quand j'ai récupéré le Mantis, certains disaient que c'était qu'un tas de ferraille. Pour l'instant, il tient le coup.
Ouais, c'est vrai. C'est plutôt bon signe. Je nettoie et le droïde saccage tout. Est-ce que ça va être comme ça tout le temps? Je pensais qu'on avait gagné. Mais là, je n'en suis plus si sûr. Des vies ont pourtant été sauvées grâce à toi. La guerre change en permanence. Tu as certainement dû le remarquer pendant la guerre des clones. Peut-être. Ou peut-être que c'était une mauvaise idée. So est parti, l'Empire est revenu. So connaît sans doute les limites de ce qu'il peut accomplir. Cela fait si longtemps qu'il combat l'Empire. Je ne vois pas trop ce qu'on a accompli. Nous avons détruit la raffinerie et libéré les Wookiees. So savait très bien qu'il ne pourrait pas libérer la planète tout entière. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il est parti quand il le fallait. Mais son combat continue. Mais ça ne suffit pas. On fait ce qu'on peut, Cal. Les troupes impériales ont dû ratisser toute cette zone. L'Empire reprend là où il s'est arrêté après avoir écrasé les hommes de So. Espérons qu'ils sont encore en vie. J'en suis certaine. Ils sont très doués. Je ne comprends pas l'objectif de So, mais il a porté un vrai coup dur à l'Empire. Il a ralenti leurs opérations. Les ralentir, c'est une chose, mais on va les arrêter pour de bon cette fois. Oui, espérons-le. On ne peut pas s'éterniser. Les Stormtroopers sont partout. Dévier les attaques.
Ça, il l'avait bien cherché. Quelqu'un est là? Mon escouade a été tué. Ne restez pas immobile! BD. C'est juste ce qu'il me fallait. Allez-y, vous!
ça t'attardera. Je suis entraîné. Je me sens mieux. Garde espoir.
Abattez-le.
génial. Bien là-dedans. Serré. Je suis là, Cal. Vous connaissiez la 9e sœur avant la purge? Non. Je devine seulement qui elle était en tant que Jedi. Elle semblait si sûre qu'il était inutile de résister à l'Empire. Nombre d'inquisiteurs sont de Jedi convertis par la torture et la peur. Il est tentant de céder aux absolus quand on souffre à ce point. Mais elle semblait réellement se réjouir de faire souffrir les autres.